Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Bonne Sainte Vierge de Lourdes, veux-tu bien guérir Christiane de ses problèmes de santé? Merci infiniment. Ô Marie, je te confie François qui recommence demain une chimiothérapie et sa sœur Marie-Paul qui l'accompagne. Merci. Bonjour Marie, je te demande de faire terminer cette période de solitude et je te remercie pour toutes les consolations, toutes les grâces que tu m'as données. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, nous sommes tous des Araméens nomades. La foi nous met en marche, le désert est notre patrie. En ce lieu de silence et de solitude qui nous dispose à l'essentiel, découvrons que le péché n'est pas une fatalité, que nous ne devons pas nous résigner à vivre dans les ténèbres. Méditant les mystères glorieux du rosaire en ce premier dimanche de carême, reconnaissons la puissance du Christ vainqueur de la tentation. Rendons-nous disponibles à l'accueil de sa parole. Premier mystère glorieux, la résurrection. Dieu est la source de la vie. Le Christ ressuscité est la fontaine de vie mise à portée de chacun d'entre nous. Prions pour le pape François, qui, comme chaque année en ce début de carême, commence aujourd'hui ses exercices spirituels. Que l'Esprit Saint le conforte dans sa foi au ressuscité et lui donne le courage de dire la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spirito et Santo, sic ut erat in principio,
Marie conçue sans péché. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes tous en proie à des impulsions, des désirs, des passions. Le seul moyen de déjouer les tentations de l'ennemi, c'est de revenir à la source. Prions les uns pour les autres, afin que nous découvrions la présence réconfortante de celui dont la parole est vérité et la loi délivrance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ô Marie conçue sans péché. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Le Père vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Joignons notre prière à celle du psalmiste qui demande au Seigneur de lui rendre la joie d'être sauvé. Prions pour ceux qui, tourmentés par le mal, prisonniers de leurs fautes, négligent le sacrement de la réconciliation et privent ainsi Dieu de la joie de leur pardonner. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ô Marie conçue sans péché. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Le fruit de ce mystère est la grâce d'une bonne mort. Prions pour ceux qui éprouvent la mort de notre chair, pour ceux qui craignent la mort, pour ceux qui sont en agonie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. En ces jours d'inquiétude face à la progression de l'épidémie du coronavirus, prions tout particulièrement pour les personnes âgées, les enfants et les plus fragiles de nos frères et sœurs. Que ce drame sanitaire favorise la solidarité et l'attention des uns pour les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Frères et sœurs, quel beau chemin de perfection trace l'oraison de ce premier dimanche de carême. Elle conduira notre méditation. Le chemin de perfection, il faut le prendre les yeux fixés sur celui qui, dès le début de son ministère public, a vaincu le tentateur, l'éprouvant, dans la traduction d'André Chouraki. Progresser dans la connaissance de Jésus-Christ, s'ouvrir à sa lumière, c'est s'engager avec lui sur un chemin d'humilité et d'obéissance. Un chemin d'humilité. Frères et sœurs, en refusant de multiplier des miracles spectaculaires, à l'instar d'un magicien ou d'un sorcier, les thaumaturges abondaient à l'époque, les charlatans aussi. En rejetant le tour de passe-passe pour gagner l'admiration de la foule, en déclinant tout pouvoir terrestre, tout aura populiste, Jésus prend en effet un chemin d'humilité. Il déjoue le piège tramé par le séducteur. Il dévalorise une foi uniquement assoiffée de prodiges, avide de merveilleux. Les actes de puissance dont il n'use qu'avec parcimonie, il s'attache lui-même à en dégager la signification. Ce sont autant de signes par lesquels il manifeste la volonté de son Père dont il est venu effacer l'image d'un Dieu puissant, victorieux et redoutable, devant qui les peuples s'agenouillaient et courbaient la tête. Frères et sœurs, l'exécution parfaite de cette volonté, son accomplissement, dirait Matthieu, le parti délibéré d'obéissance, établissent Jésus aux antipodes d'Adam, qui a cédé aux ruses du serpent dans l'espoir de devenir comme des dieux. Jésus écrit magnifiquement Paul aux Philippiens, « Bien qu'ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. » Sa détermination est inconcevable, d'abord pour les siens. Souvenons-nous de la réaction de Pierre quand Jésus lui fait part de sa décision de prendre le chemin de Jérusalem pour y souffrir et pour y mourir. Il s'insurge. Il lui adresse de vifs reproches. « Dieu, t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Réponse de Jésus, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. » Terrible réponse. Entendons, tu es l'égal du tentateur. Et en vérité, Pierre parle comme Satan au désert. Satan, à qui Jésus, au seuil de son ministère, avait rappelé par trois fois que son messianisme n'est pas de vaine gloire.
Il est venu pour obéir à la volonté de son Père, et c'est par cette obéissance, écrit Paul aux Romains. Nous l'avons écouté dans la seconde lecture de ce dimanche, c'est par cette obéissance que la grâce de Dieu s'est répandue en abondance sur la multitude. Jésus est un tout autre Adam. Frères et sœurs, une vie d'humilité et d'obéissance conduit sur un chemin ardu. Pour s'y tenir, il faut abandonner ce que l'on s'imaginait posséder, disait saint Jean de la Croix. Un détachement qui n'épargne pas l'épreuve de la nuit obscure, du non-savoir. Ce temps d'épreuve dont nous ne connaissons ni le comment ni le pourquoi, de nombreux saints l'ont vécu, de nos jours Mère Thérèse. Durant une grande partie de sa vie, elle a traversé une épaisse nuit, doutant de sa foi, mais gardant une totale fidélité, dissimulant sa désolation intérieure sous un sourire constant, une éprouvante expérience de charité. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'oraison monte de tout le peuple de Dieu. Il y a plusieurs moyens de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ. Un père dominicain, un maître spirituel du siècle dernier, accoutumé des conférences sur la foi, des débats sur des points de doctrine, en percevait en même temps l'importance et l'insuffisance. C'est dans le silence de la prière, disait le père Albert-Marie Besnard, c'est dans le silence de la prière que la connaissance de Jésus-Christ a chance de s'imposer, je le cite, comme le tonnerre d'une évidence silencieuse. Le tonnerre d'une évidence silencieuse. L'oxymore remet en mémoire le bruit de silence par lequel Yahvé manifesta sa présence au prophète Élie sur le mont Horeb. Heureux ceux qui l'entendent. Reste, frères et sœurs, que s'appliquer à connaître le Christ est l'unique tâche pour déjouer les tentations du séducteur qui cherche à nous leurrer. Le seul moyen d'atteindre la source créatrice, le seul capable de dessiller nos yeux, de nous faire prendre conscience de nos égarements, de nous alléger de tout ce qui nous encombre, l'orgueil, l'égoïsme, la convoitise, tous fruits amers de la désobéissance d'Adam. En ce temps de carême qui vient de s'ouvrir, puissions-nous changer nos cœurs, mettre de l'ordre dans nos vies, ménager de longs temps de prière pour progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et nous ouvrir à sa lumière. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils s'est fait l'un de nous jusqu'à partager nos luttes et notre solitude. Il a connu la tentation. Il a appris l'obéissance. Donne-nous de combattre avec lui et de sortir vainqueur de l'épreuve par la puissance de l'Esprit-Saint. Exauce-nous, car tu veux que tout homme soit sauvé pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Vierge Marie, le peuple des tiens, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave. Ave, Ave, Ave.
Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.